Et bonjour tout le monde et bienvenue pour la suite de notre campagne sur Novgarde. On reprend toujours où notre chapitre 4, pardon, où on en était resté. Alors donc, où est-ce qu'on en était? Effectivement, ça, ça avait été exploré. Là, on était bloqué par les kobolds. Il fallait qu'on s'occupe de cette zone-là, mais on avait encore une petite armée, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Ah oui, on devait se préparer. Si c'est vrai, c'est vrai qu'on avait un event à arriver. Mais bon, c'était un peu la dèche de civil, hein, de mémoire. Ok, c'est bon, ça c'est terminé. Donc on va créer un camp d'entraînement, si possible ici. On va envoyer lui. C'est dommage, ça se désactive à chaque fois, parce que c'est quand même bien pratique, j'aimerais bien le garder. Voilà, les bûcherons ont été améliorés, parfait. On a encore un peu de... On a encore un peu de bois, on pourrait améliorer quelque chose. Le champ c'est déjà fait, bah ça va être les maisons après. On va améliorer les maisons, voilà. Et on va... Ok, ça y est, c'est parti. Bon, ça va, ils sont que deux. On a tout le monde qui vient aider. Ouais, le peuple est assez mécontent, effectivement. Ça va être le moment de faire une brasserie, quelque part. Voilà. On va avoir besoin de brasseurs maintenant, c'est important. Tac, et voilà, on a un nouveau soldat, ils sont 3. Ici, non, c'est les kobolds, on va pas aller les embêter, là-bas on peut rien faire. Ouais, il va falloir venir s'occuper d'eux ici, pour coloniser cette zone. Alors, qu'est-ce qu'il a notre... Oh, boulot, boulot! Boulot, cher éclaireur. Donc, je vais juste attendre pour aller m'occuper d'eux là. Vite, vite, vite. Voilà. On a le bonheur qui est de retour. On va pas s'en plaindre. Et toi, tu peux aller remplir la bergerie. Voilà, on est pas mal. On va même s'organiser un petit festin. Profitons-en, ça vaut le coup de claquer un paquet de thunes pour en récupérer encore un peu plus, enfin un paquet de bouffe pardon. Ok, bon là on est pas mal, au combat. Voilà, on colonise cette zone, hein, parce que, après tout, ça reste important. Et ensuite, on ira faire les ruines ici, ça, ça, on va coloniser tout ce petit monde. Donc, comptoir, on en a un, c'est bon. 2 sur 2 en plus, parfait. Ouais, marché c'est pas nécessaire, en tout cas pas tout de suite. Des silos, ça aurait pu être bien d'en mettre un ou deux quelque part. Mais ça voudrait dire déjà améliorer cette zone là. J'ai dû déjà l'améliorer, non? Ouais, j'ai dû déjà l'améliorer, ok, donc c'est pas nécessaire. Ici ils en ont déjà un. Là on a le camp d'entraînement et ça, donc c'est pas nécessaire. J'analyse un peu ma zone. Ok, donc ici on a les drogres, donc on va aller les chasser. On va le faire un peu courir l'autre en attendant, voilà. On va coloniser cette zone.
On va envoyer les éclaireurs ici. On va envoyer eux chasser les loups. Alors. Ouais, on va prendre le bonheur, hein. Vraiment, on va se mettre bien. Et on va reprendre. Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce que je prends Freya d'abord et Yord? Non, je vais prendre Yord quand même. Pour m'améliorer un petit peu, pouvoir demander à forger. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? Qui c'est qu'on a en nombre? Les guérisseurs, ouais, marins, bof, les villageois. Éventuellement les marchands. Brasseurs. Qu'est-ce qu'ils font les marins? On va prendre les marins. On va améliorer les marins. Et d'ailleurs, voilà, on va mettre un deuxième. Mais je suis bête, moi, c'est vrai qu'il faut que je fasse ça. Il me faut le phare. Il me faut le phare. Donc pour ça, il me faut plus de savoir. Beaucoup plus de savoir. Allez, 430, on va le faire. Voilà, ça, on gagne encore un peu de renommée, hein, c'est important. Et puis on agrandit un peu notre territoire encore. On va se faire une petite cabane de bûcheron ici. Ouais, par contre, niveau nourriture, à part refaire éventuellement de la cabane de soins, qui génère un petit peu, mais c'est pas non plus fantastique. Voilà, on a gagné un peu de savoir, c'est bien. Ah, on pourrait faire un hôtel des rois, ça c'est bien ça. On va se faire ça. On va se faire ça, mais on va se le faire. On va développer la zone et le faire là, ça va être plus sympa. Donc ouais, à l'hôtel des rois, c'est un bâtiment unique. Attendez. Voilà. Tout va bien. Je disais donc, l'hôtel des rois, c'est un bâtiment unique, hein, vous avez vu, qui confère un de bonheur, un de nourriture, un de bois, un d'argent et un de savoir tous les 200 de renommée. Et on gagne également 50 de renommée à sa construction. Donc on prend. Là on est à 400, donc on aura plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Voilà, donc c'est quand même un gros plus l'hôtel des rois, hein. Faut pas le négliger. Allez, un peu de bois ici en plus. Ouais, bah le forgeron il a plus grand chose à faire. J'aurais bien aimé améliorer un bâtiment de nourriture, mais il me faut de la pierre et ça s'est rarifié la pierre. Non, j'en ai là de la pierre. Mais quel gros naze! On est devenu Jarl, voilà, donc on gagne un festin gratuit par an. Bon, on va le faire maintenant, ce sera fait. Hein. On va développer bien évidemment la zone et faire une mine. Quel idiot! Comment ai-je pu ne pas voir qu'il y avait une mine ici à faire? Voilà, et on a le tel des rois. Oh, on est bien là, franchement on est bien. Donc le savoir, on va faire ça, comme ça ils vont extraire plus vite le minerai, et après on pourra débloquer le phare. Et on a dû faire... Attends. Toi viens là. Toi aussi. Donc du fer que nous avons. On va pouvoir améliorer
On va améliorer les érudits, tiens. L'éclaireur qui a été blessé, ok, ici on a un ours et on a encore de la pierre. Je vais développer cette zone là, ce sera fait. On perd 5 en nourriture, on marche par hiver, mais ça va vu ce qu'on a. On l'envoyait se faire soigner, hein, ce serait dommage de perdre quelqu'un. Et là on a 10 en pierre, parfait, donc on va pouvoir améliorer... Bah, je pense le pavillon de chasse, à moins que... Ici on a déjà amélioré ça. La pêche on n'en a pas. Donc on va améliorer le pavillon de chasse. Et toi tu vas venir là, direct. Voilà. Et la bergerie, normalement on a les trois, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Une, deux et trois. Nickel. Plus que 1 en nourriture, ça c'est bien. On va construire une autre petite maison ici. Après on pourra plus développer, ce serait dommage. Hop, ici. Voilà, les érudits vont produire encore plus, normalement. Ouais, le savoir, ça monte, ça monte. Bon, faudra aller réparer ça et vite. J'ai reçu une à vous en faire part, mais Liv a fini la construction de son phare. Il devrait plus tarder à lancer de prestigieuses expéditions. La construction des phares doit être notre priorité, il serait dangereux de la laisser prendre de l'avance. On y arrive, ça y est, on y est, on y est. Le phare, vite, le phare. Alors, je me souviens plus comment on fait un phare. Il est là. Il nous faut 100 d'or, ok. C'est parti. Il faut obtenir 2000 d'influence commerciale à l'aide de grandes routes. Ok. Et ben on va aller à... à Vinland. Ah mais ça coûte... Ah oui. Ah bah non, 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 du coup les gars, non. Ok, donc là va falloir gagner plein de thunes en fait. J'ai le concept. Attendez, faut que je répare tout ça. Il me faut un marché. Le bois c'est bon, on va arrêter de faire du bois. De toute façon on va la rattraper, hein. C'est juste qu'il nous faut un peu de temps. Au moment on n'a pas de fer, donc le forgeron c'est terminé. Toi, bah, viens construire ça, par exemple. Non, 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 répare ça, pardon. Parce que là on ne génère carrément pas assez d'argent. Ah bah si, là on a du fer. Ah ça c'est intéressant quand même. Mais bon, pour arriver là, si ça on peut le faire facilement. On va organiser un festin.
et coloniser ça. A de la marge, autant le faire. Bien, je me refais un peu le point sur tout. Voilà, ça c'est à nous, l'érudit. Une fois qu'il a découvert ça, on va le faire explorer ça. On a de quoi améliorer des bâtiments. On va peut-être prendre ça ou on va faire ça, on va prendre un marin de plus. Et on va améliorer le marché. On va y mettre le maximum de personnes. Je croyais qu'on pouvait vendre, moi. Ah bah non, vous voyez, je me suis encore planté. Je vais le détruire, le marché. Et je pense qu'au pire... c'est con, je venais de l'améliorer en plus. Je pense que c'est plutôt ça que j'aurais dû améliorer, le comptoir, ouais. On va refaire un deuxième de comptoir. Mieux c'est de savoir, ouais. Alors frappe de monnaie, on va faire un petit frappe de monnaie quand même, hein. Et dans les dons, bonheur, ça va, on va prendre ça. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant il nous faut ce territoire là pour exploiter du fer. Alors, grande route commerciale, est-ce qu'on peut passer à plus que ce qu'on a là? Non. Non, on peut pas, on gagne pas assez de thunes. Chasseur ici, carrière terminée. Envoyer ces deux là. Dès qu'on aura du fer ici, il faudra améliorer les marchands si c'est pas déjà fait. Je me souviens plus. Non, c'est pas déjà fait. Ok. On va refaire une autre route avec les kobolds. Bon, elle nous fait gagner plus hein, la prochaine par contre. Hein, mais... Tant pis, c'est toujours ça de prix. Et du coup, là, est-ce qu'on peut passer à 20? Ouais, on peut passer à 20. Voilà, donc là, on va gagner plus vite.
Voilà, donc là c'est pareil, on est pas mal. Ok, donc on va améliorer les marchands tout de suite. Voilà, là on a bien la maison. Essaye un petit peu de voir ce qu'on peut faire. Tiens, toi viens faire du bois hein, plutôt que rien faire, surtout que l'hiver va être dur apparemment, alors. On va avoir deux événements galères là, on va avoir. Ah non, pas deux, pardon, on va avoir un festin gratuit, ce qu'on va utiliser au moment de la tempête de neige, je pense. Ouais, et on va l'utiliser, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, ça y est, on commence à prendre le dessus là. Bon, ce sera assez long hein, finalement à générer. Mais bon. On va aller là. Attention à l'ours. Ah, on va baisser en puissance d'attaque pour l'hiver, mais ça devrait aller. Bon, ça coûte 800 hein, de coloniser, ça commence à coûter très très cher. On va faire également... ouais, bon ça, tant pis. Ah quoi que si, ça c'est pas mal, réduit le coût d'entretien des bâtiments améliorés. Voilà. Et après on continuera là-dedans hein, du coup pour gagner encore plus de sous. Ok, on est neutre avec les kobolds, c'est toujours bon à savoir. Et on a un festin gratuit, alors c'est l'hiver, activons-le, parce que là ça va être la panique. Allez, le forgeron va nous améliorer les marchands, ça va nous faire gagner un peu plus de sous. La vitesse d'extraction, les nouets. Ok, bon, on va prendre les villageois, hein. On sait jamais, ça peut toujours être pratique. L'hiver est rude, hein. L'hiver est très très rude. Mais on va s'accrocher. On va attaquer ici. Mais ça va bien se passer. Bon, on est en train largement de la rattraper en tout cas. Mais vivement la fin de cet hiver rude. On a quand même l'entretien des bois. C'est bon, ça y est, c'est en train de se calmer et de revenir à la normale. Enfin, un hiver normal, je parle. On est toujours en hiver. Mais au moins, c'est un hiver normal. Ouais, plus 4 grâce à l'hôtel des rois, hein, quand même, c'est pas mal. Évidemment qu'on puisse acheter ce terrain là. Voilà. Un peu inhospitalier hein, comme zone quand même, hein, mais... Et... Voilà, 800, c'est fait. Nous avons atteint 500
de nouvelles richesses nous attendent. C'est-à-dire... Avec 100 nourriture, 150 de bois et 50 de savoir. Bah, je prends surtout le savoir, le reste ça va, mais... Et là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bon, les brasseurs, ouais, tiens, qui gagnent un peu plus de bonheur, on va pas s'en plaindre. Une carrière pour ici. Une pierre runique pour là. Allez, recevoir un bonus d'attaque de 10% à vos unités. Ok. Pas méga utile, pour être honnête. Voilà, on va avoir un peu plus de savoir. Ok, ce personnage-là arrive pour construire. Là, on est pas mal. C'est vrai qu'il y a moyen d'améliorer la bergerie, non? Pour en stocker plus. Formidable, des géants, Northgard nous réserve décidément bien des surprises, de taille qui plus est. Les Jotnars sont des adversaires redoutables, ils sont pacifiques à moins qu'on empiète sur leur territoire. Je vous conseille vivement de ne pas les caresser à rebrousse-poil. S'ils acceptent de faire du commerce avec nous pour entretenir des relations mutuellement bénéfiques, établissons une route commerciale depuis un comptoir. Ça tombe bien, on en a un autre là. Le bois ils s'en foutent. La bouffe par contre c'est leur ressource préférée. Parfait, c'est parti. On démarre avec eux. Et là, hop, on va commencer à faire de la pierre. Et on va partir sur. Alors, faire commerce, nourriture améliore les revenus en 50%. Yotnar améliore vos relations avec cette faction. Oh, on va faire ça, tiens, hop, voilà. Est-ce qu'on peut pas établir la plus grande route? Parce qu'elle était à combien? Elle était à 40, hein. Donc là je pense que ce serait à moins 11, ouais. Après c'est jouable pendant un temps pour accélérer. À moins de surveiller en haut. Hein. Donc là il a amélioré. Enfin, on a quasiment tout le monde qui a amélioré en fait. Hein. On va améliorer les guérisseurs aussi. Hein. Les troupes, bon on n'a pas vraiment de combat à faire. Ne nous embêtons pas. Donnez-leur suffisamment de nourriture, ils se joindront peut-être à vous. Ok. Ben, moi je veux bien. Hein. Je veux bien. Oh, ça se passe plutôt pas mal quand même. Hein. Je voudrais améliorer le comptoir qui est là. Voilà. Pour y amener encore une personne de plus. Ici, c'était déjà amélioré. Notre paysan, on l'amène là. Ici ça exploite, on est d'accord, c'est bien. Bah j'ai envie de dire que tout se passe bien quoi. Tout se passe même très très bien. J'ai pas quoi te demander de faire à toi. Ouais, on en est à peu près là, ouais. Non, honnêtement,
Là c'est déjà plein, vas-y, bah viens faire du bois, mais bon le bois on en a... On en a une chier quoi. Bon bah l'éclaireur il est mort, bah il est mort. Que dire de plus? On perd des sous, mais franchement, franchement, ça va. Niveau savoir, je pense pas pouvoir faire grand chose de plus. Si, si, encore, encore de quoi faire, mais bon. Ça coûte pas mal de thunes maintenant de s'agrandir, hein, de plus en plus cher. Ah, y a 6 loups là quand même, la vache. Et l'armée n'est pas plus grande, hein. Les relations se passent bien. L'influence qu'on éteint s'obtient en exploitant les grandes zones commerciales disponibles via le phare. Ça monte, hein, on est à plus de 1000 points. On y arrive, ça y est. Ouais, je crois qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on a un bateau qui arrive de temps en temps. Construire une petite tour ici pour aider, histoire de dire. Hein. Ouais, vous voyez, ça nous ramène des choses, ah, du fer et tout, intéressant. Même si bon, le fer, pour améliorer les mineurs, histoire de dire. Je sais pas trop ce que je peux améliorer intéressant en intéressant de bâtiment. L'hôtel des rois, on peut pas. Ce qui va être nourriture, ça va être fait. On peut éventuellement améliorer une bergerie. Hein. Et ils mettent un mouton de plus, voilà. Faire, on a 43. Ah ouais. Une cabane de soins éventuellement de plus, ouais, on va mettre des guérisseurs, hein. Ça rapporte de la bouffe en attendant. Épuisement épuisé, bon bah ok. Normal, hein, ça peut pas durer indéfiniment, on le sait. Et je sais même pas quoi leur demander de quoi faire quoi. Un peu courir tant que l'armée arrive. Voilà, c'est fait. Les autres mineurs qui sont là, hein, faut qu'ils redeviennent des paysans en attendant. Et ici, on va pouvoir faire le commerce de la laine, ce qui va nous faire gagner encore un peu plus de sous. Alors, on n'est plus qu'à moins 3. Et puis là, bah, on peut prendre celui-là qui nous donne plus 3 de bonheur. Voilà, on est bien, quoi, hein, franchement. Y a pas... On est bien, on est en train largement de l'abattre d'un point de vue commercial. Hein, y a plus qu'à. Bon, bah, ce que je vais faire, je vais vous laisser là pour cet épisode. Et puis, je passerai ce passage-là. Hein, et on se retrouvera juste avant les 2000, hein, pour pas vous faire perdre plus de temps à regarder ce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur les jeux du Cygne. J'espère que cette campagne vous plaît, n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions, etc, etc, etc. Je vous répondrai avec plaisir comme toujours. A très vite les gens, merci beaucoup, salut salut.